أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ces dhikrs que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit enseigner nous pour lire quand nous rentre dans l'état ihram, qu'il soit pour Umrah et aussi pour Hajj. Pour Umrah, nous commençons à faire talbiya à partir qu'il nous rentre dans l'état ihram jusqu'à qu'il nous rentre dans Masjid al-Haram pour nous faire tawaf. Pour Hajj, nous faisons talbiya depuis qu'il nous rentre dans l'état ihram le 8 Dhul-Hijjah jusqu'à qu'il nous rentre dans le bas les 10 Dhul-Hijjah jusqu'à qu'il nous rentre dans le bas. Donc il est important, frère en Islam, sur l'Islam, pour nous qu'on prononce talbiya, nous connaissons sa signification et nous connaissons la spiritualité qui est là, derrière là. Donc en vitesse, nous disons ça pour les gens qui commencent à suivre sa session là en 2020. Nous disons ça, fini faire sa explication là, mais en vitesse, nous passons l'eau là. Donc la baïka. Il y a trois syllabes. La baïka. Répète-le après, je t'en veux, je t'en répète, je suis capable de dire. La baïka. Allahumma, 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 right? Sharika, 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 Sharika. Inna alhamda, inna, inna, inna alhamda, in. Nal hamda, in nal hamda, wan ni'mata, wan ni'mata, wal mulka, wal mulka, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك La case, faudrait que je te récite lui. Récite-lui la case, tous les jours récite-lui, finiront dans le monde, là c'était la même. Alors qui veut dire ça? Est-ce que nous donne Allah subhanahu wa ta'ala sa véritable valeur. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Et je ne pas donne à Allah l'estime qu'Allah subhanahu wa ta'ala mérité. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِ. La terre avec les ciels, tous les sept des ciels avec la terre, tout pour ployer ensemble un sel dans ce lamé le jour du Qiyam. La terre, les ciels, tout ensemble pour craser, pour ployer dans Allah subhanahu wa ta'ala ce lamé le jour du Qiyam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit au Abu Dhar, au Abu Dhar, ça sept les ciels là. Ça, c'est le ciel-là qui ne scientise pas encore connu qui grandit en là-dedans été. Scientise pas encore connu qui grandit en le ciel là-dedans été. Ça, en le ciel-là, si, par exemple, nous là, dans Maurice, là, nous, si moi là pour représenter moi dans Maurice, Maurice grandit à ça. Maurice grandit à sa projection-là. Mobisa, mette-moi là-dedans, là. Qui grandit mon vêtement? Un point. Si moi, là, pour mettre moi, Marc Maurice ici, je vais mettre un point. Si moi, là, pour mettre Marc Maurice
le monde s'agrandit là, Marc Maurice là, un point. Qui m'a été là-dedans? À cela, ça, le monde là, dans sa galaxie là, qui l'est représenté? Sa galaxie qui nous était là dans l'univers, qui l'est représenté? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam disait tout ça là, divan al-Kursi, li comme si dirait un bagfera qui nous aide d'un désir. Et al-Kursi, divan al-Arsh, Kursi là, comme on dit, un bagfera qui nous aide d'un désir. Kursi, c'est une créature d'Allah, al-Arsh, c'est trône Allah. Allahu Akbar, Allah est plus grand que ça. Un surah qui nous tout en dit, Tabarak alladhi biyadihi al-mulk. Qui veut dire ça, Tabarak? Tabarak veut dire Allah est béni. Qui veut dire Allah est béni? Allah Ta'ala est parfait dans tout bon qui chose. Biyadihi al-mulk, les mêmes propriétés à la création. Il fait ce qu'il y a envie. Seul autre qui m'a aussi. Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa ala kulli shay'in qadir, et li Allah y a la capacité de tout quelque chose. Sa robe là, Allah subhanahu wa ta'ala donne l'aude avec Ibrahim alayhi salam, wa adhin fin nasi bil hajj, fait l'appel man dimoun pour venir faire hajj. Ibrahim alayhi salam étant l'in kit sur madame avec ses enfants de Makka, lui dit, oh Allah, mon kit zod biwa din ghayri di zar'in, un vallée qui peine aucune végétation. Peine à rien là. Allah Ta'ala de ni l'autre quand il finit mon Kaaba, lance l'appel pour ben là venir faire hajj. Et Azodi nous peut dire, labbaik Allahumma labbaik. Qui veut dire labbaik? Labbaik veut dire, m'opé réponds-toi, oh Allah, parce que toi qui finis de moi l'autre, toi qui finis de moi l'autre pour venir là, l'autre, toute la terre sacrée, m'opé réponds-toi l'autre. M'opé soumettre totalement à toi, oh Allah. Et sa soumission-là, il paraît quand je tiens mon linge, je mets linge ihram. Sa soumission-là, il paraît comme une petite chose qui, normalement, je n'ai pas le droit de faire, je n'ai pas faire. Mon reste dans l'obéissance, oh Allah, la baik, comme on peut dire, la baik Allahumma, oh Allah, mon reste dans l'obéissance, mon peut venir en face de toi, mon peut venir, comme si je dirais, sa voyage qu'il peut faire, mon peut sortir de la case pour aller faire hajj, lui ressembler l'amour. Lui ressembler l'amour. Simplement, quand mon peut baigner pour rentrer dans les tihram, moi, mon peut baigner. Quand ban la pe ben moi, comme un mot, ban la pe ben moi. Moun met moulin zihram, là-bas moun met kafan. Et là moun pial avec mon propre volonté, pas dire le baik Allahumma, là-bas, soit moun pou crier, moun pou dire kout zot piamin moi, kout zot piamin moi. Ou bien moun pou dire dépêche zot, fais vite amin moi là-bas. Le baik Allahumma, moun pou vine en face de toi, oh Allah. Labbaik Allahumma par l'amour pour toi, oh Allah. Important, terrible. Développe ça dans nous, c'est la même. Qui fait mon père faire hajj? Par l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Labbaik Allahumma, mon sincère envers toi, oh Allah. Sincérité. Labbaik Allahumma, mon père rapproche-moi avec toi, oh Allah. La sharika la. La sharika veut dire qu'il n'y a aucun associé. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak. Peine à aucun associé avec toi. Peine à personne qui paraît comme toi. Tu es unique. Tu n'as pas de naissance, tu ne prends naissance. Et tout mot adoration, l'ibiz existe pour toi. Inna alhamda. Alhamd, c'est quoi? Parfois, nous trouvons un campaign manager dans campagne électorale, il met député là, il met ministre là, il peut flatter, il peut aller même, il peut flatter, c'est un petit monde comme ça, jamais on trouve, grand petit monde, l'autre élection, il y a la guerre, il peut flatter sur l'autre camarade. Sa flatterie là, peine à l'amour, peine à la sincérité, ça. Alhamd, comme on peut dire, Alhamdoulillah, premier, on peut reconnaître qu'Allah est parfait, sans défaut, dans tout ce bon attribut. Deuxième,
vous pouvez reconnaître la faveur qu'Allah verse à l'homme. Et si vraiment nous comptons la faveur d'Allah, frère en l'islam, c'est en l'islam, nous pas pour finir compter. Un exemple là. Malgré qui, le prix peut monter. Malgré qui, tout quelque chose peut flamber. Le prix peut flamber partout. L'essence peut monter. La viande peut monter. Tout peut monter. Construction peut monter. La matériel de construction peut monter. Malgré ça, pour Eid, nous ne mangeons pas de bœuf. Nous ne mettons nous jolis linges neuf. Nous peut rester à faire Hajj malgré qui prévient Hajj là été. Pas faveur Allah ça. Comment vous remercie Allah pour sa faveur là? Voilà, in shakartum la azidannakum. Allah dit, si je te remercie, moi, je donne plus. Est-ce qu'il apporte à ce là même, pour servir une faveur qui a l'aide de moi pour remercier lui ou bien non? Donc, comme on dit, Alhamdulillah, après qu'il va reconnaître qu'Allah n'est pas offert sans défaut, je vais reconnaître une faveur qui a l'aide de verser l'homme. Et je dis ça avec un amour, une sincérité et une soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Inna alhamda wa ni'mata iban faveya laka pour toi ô Allah wal mulk, et la création en entier pour toi. Toi qui possèdes moi, toi qui possèdes Kaaba, toi qui ne fais moi vine là, toi ô Allah, tes décisions pas mon casse. Mais ça raconte la semaine dernière comment dit mon avec ce casse l'in vine Makkah, il pas get Kaaba ne retourne. Et un autre misère l'in vine l'in fait Hajj l'in mort dans Madina. Ya Rab, pas mon casse non, pas mon courage, pas mon volonté, mon besoin à ça. Mais toi qui n'amènes moi là, ya Rab. Inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Donc labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak, tu n'as aucun associé, labbaik, certainement tout éloge et tout faveur pour toi et toute créature pour toi. Om Rab la sharika lak, tu n'as aucun associé. À ce qu'on nous fait cette talbiya là. Qu'est-ce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit? En passant, talbiya ban zoum fait avoir haute, ban madame je te fais avoir basse. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit: "Ma min muslimin yulabbi illa labba ma an yaminihi aw an shimalihi min hajarin aw shajarin aw madarin." Peine aucun musulman qui fait talbiya. Li fait talbiya. Mission bien madame. Tout ce qui est là dans ce côté droite et dans ce côté gauche, rose, pied, montagne, la terre, tout ce qui est là fait talbiya ensemble avec lui. Quand nous peut proclamer grandir Allah, la baik Allahumma la baik. Oh Allah, mon tourne-moi vers toi. Mon peut approcher avec toi. Pour l'amour pour toi. Sincérité pour toi. Mon peut répondre à l'invitation. C'est une déclaration faux. Qui tout même créature dans droite et dans gauche. Je te répète après ça hadith là. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit: Atani Jibril, faqal Jibril alayhi salam in vini l'india, mur ashabaka, fal yarfa'u aswatahum bit talbiya, fa innaha min sha'a'ir al hajj. Donne l'autre man compagnon Miché, puis je te lève, je te la vois pour talbiya, parce que talbiya c'est un symbole de hajj. Et ben là, il demande Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ayul hajj afdal, qui hajj qui meilleur, il dit al hajj wa thajj. Un hajj qui fin lève la voix avec talbiya, et un hajj qui fait qurbani, une coupe zanibou. Donc ça concernant talbiya, réfléchis aux significations de talbiya. Inch'Allah, je vais vous donner un slide là, le groupe WhatsApp qui nous est là. Donc tout mon hajj, et mon futur hajj, Inch'Allah, enregistré juste avec Zakaria, le groupe WhatsApp, je vais vous donner un slide là. Je vais vous donner comme une révision, et Inch'Allah, c'est une vidéo là aussi pour le YouTube. Nous pouvons avoir juste ce link. Vous êtes capable de finir méditer l'eau là, comme on peut dire, la bec qui on peut dire, finir réfléchir l'eau là, finir qu'on prononce et finir qu'on a l'habitude pour prononcer. Inch'Allah, la semaine prochaine, nous jeunes, la semaine prochaine, il pourrait un petit peu pli teuf. Donc, qui sont si vous pli teuf? La semaine prochaine, nous vous prenons Umra et nous vous prenons première partie dans Hajj. C'est-à-dire, dès le départ, nous pouvons vraiment une crash course la semaine prochaine. Un crash course. Umra de bout en bout, Hajj, première partie, bout en bout. Là, Inch'Allah, après ma Asar, spiritualité, frère M.T. Azobdul, pour causer un petit peu le Tauba, et Allah, Ta'ala, son Rahma, parce qu'il va bien, il parle d'Allah, son Rahma, ce Tauba là-bas, et nous ferons
Ahmed Fawzi pour qu'on continue sur cette session, sur cette difficulté qui nous est capable de gagner dans le Hajj. Jazakumullahu khaira. Est-ce qu'il y a quelques questions en vitesse là? Si bien aucune question, nous ne t'aimons pas la même. Jazakumullahu khaira. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin.